Bonjour YouTube, bienvenue sur la DER. Tu la verras peut-être, peut-être que non, peut-être que oui. Who knows? La DER est quantique. Nous sommes à 130 secrets. Les saintes écritures nous disent que nous sommes au chapitre 18 de notre aventure, à savoir Bethany into Mother. Alors qu'on n'a pas le Holy Mantle pour la phase en fantôme, là, en Lost, ça va être bien. Ça va être très 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 bien. J'ai hâte. Allons-y. Bethany Mother. Alors Bethany, elle commence avec son petit bouquin qui crée des flammes. Elle ne peut pas avoir de cœur bleu. Les cœurs bleus permettent de relancer son bouquin. Faire réapparaître tous les ennemis de la salle et ferme les portes. Franchement, c'est pas terrible ça. Surtout avec son bouquin là, parce que ça les activables sont censés aller avec. Je suis pas convaincu. Du coup, mes cœurs bleus, là, vous le voyez sous les clés, en fait, ils servent de consommables pour réactiver mon livre. Bah j'ai pas de sous. J'ai pas de sous, c'est vrai que le cartable aurait été intéressant peut-être. On peut reset, oui, y a pas les tokens d'Eden là, on peut. Mais nous on reset pas en boucle comme ça, nous on fait avec ce que le jeu nous donne. Allez, une flamme en moins. Ce qu'il y a, c'est qu'elle démarre directement en Angel Room. Donc peut-être que dès le début, ça peut envoyer du lourd. Encore faut-il ne pas se faire toucher, bien sûr, bien sûr. On a des clés pour aller en étage alternatif, parce que du coup, on va à Mother. Faut pas que j'oublie qu'on va à Mother, hein. Nous allons à Mother. Ah, des dégâts. Nous allons à Mother. Mais nous allons en étage alternatif au deuxième étage. La bite en bois. Et allez, la flamme est partie. Ne pas se faire toucher, sinon j'ai plus d'Angel Room. Ne pas se faire toucher, hein. Ne pas se faire toucher. Heureusement que ici... On va essayer, hein, mais je suis pas sûr que ce soit excellent. Oula. Ouais. Oula. Attention, shop spécial.
Ok. Bon, j'ai récupéré de la luck. Mais bon. Où sont les dingueries tant attendues? Apparemment pas ici. Faites votre truc. Hein. Je reste ici. J'ai tout mon temps. Je fais pas un boss rush. Ouais, j'avais quelqu'un qui s'occupait des notifs là, enfin tu sais les extensions Chrome et et Firefox. C'est ça que tu parles, Zephyr? Parce que cette personne maintenant n'est plus du tout disponible, donc et voilà. Ah tiens. L'âme d'Eden. Bah écoutez, on va l'emmener, non? Et je peux l'utiliser tout de suite parce que j'ai plein de cœurs bleus. Bah écoutez. Par contre, il faut que j'ai mes cœurs rouges à plein pour que mon prime fonctionne. Mais du coup, Zephyr, je sais pas qui un jour va me faire ça. Aucune idée. Voilà. Hop là. C'est bon, j'envoie des bits. T'as l'âme d'Eden directement utilisée, ça, c'est cool. Petit coucou rapide pour répandre l'amour, cœur sur vous. Ça répand l'amour là? Comment ça? C'est qui répand l'amour? C'est Asmomo. Chance de tirer des larmes rebondissantes. Ah! Alors, ça y est, c'est le moment de découvrir le truc avec le mod là. Vous savez, je vous avais dit... Les piédestals du regret. Alors, bon. De prime abord, j'aurais pris l'objet de droite. Mais j'ai envie de voir ce que ça fait. Le moment où tu vas louper Magic Mush, c'est ça. Ouais. Alors, on voit pas ce qu'il y a à droite. Mais tout à coup, qu'est-ce que je rate? Ok, bon, j'ai bien fait de pas le prendre. Ouh, j'ai bien fait de pas le prendre. Je déteste ce truc. Il nous faut des bombes hein, pour l'habitat en bois, c'est important. Écoutez, je vais le prendre maintenant. C'est horrible si on voit passer Cricket's Head. Oui, tout à fait. Je suis bien content que ce soit pas arrivé maintenant, par exemple. C'est quoi la flamme en forme de Damoclès? Je sais pas, c'est aléatoire, je crois, là, ce que ça m'a fait. Je crois que... Je sais pas, du tout.
Alors, il y a le A+, mais bon. On va pas le garder longtemps. Vitesse de l'arme, c'est pas de refus, parce que les bits, ça va pas très loin. Bit en bois, mais après, quand même, non? Alors. Là... Déjà, on n'a pas le miroir. Manche. Manche. D'ici, on pourra récupérer des trucs. On n'oublie pas Mother. On n'oublie pas Mother, je fais Mother. J'ai besoin du couteau. Pour avoir ce couteau... Oh god. J'ai besoin d'un miroir. Le miroir est là. Ok, je me transforme en The Lost. Mais attention, je n'ai pas Holy Mantle. Si je me fais toucher, je suis mort. Quand même checker ce qu'il y a là-haut, mais... Oh, c'était un HP up. Maintenant, il faut que j'aille jusqu'à... la salle d'items. Attention, attention... Tout va bien. Oh putain, le feu violet là. Ok. Si vous me permettez, je vais pas faire le boss. Hein. On va se barrer. Tout de suite. Je ne suis plus un fantôme. J'ai toujours deux bombes. Soude là, non? J'ai toujours deux bombes. Je sais pas quand est-ce qu'il propose de faire le Holy Mantle. Vas-y, on va direct. On va direct dans les mines. Pouet, pouet, pouet. Fléau de cécité, c'est sérieux ça? C'est gentil, c'est fier. Bah, tu me dis si jamais...
Si jamais on peut faire quelque chose, ça peut être sympa. Oh merde, j'ai oublié. J'ai oublié ces mobs. Bah, du coup, ouais, je sais pas. J'ai plus mes cœurs rouges pour avoir plein de dégâts. Vas-y, tu veux pas ouvrir tous ces trucs là? Bon, ça c'est désactivable. Si ça coûte 10, c'est désactivable. Donc c'est aux F tiers. Qu'est-ce que ça pourrait être? Des pilules? Y a rien d'extraordinaire en activable dans le shop. Hein. Gideon le Grand. Dès qu'on a plus les bits, hein, c'est long. Je vois rien là. Cassez-vous. Pas gâté, hein. On n'est pas gâté, hein. Mais tu vas le porter, ton truc? Ouais, bah, l'item room, on espère qu'il se passe quelque chose. Parce que...
PV augmenté. Pourquoi je les ai pas pris, j'oubliais que j'avais pas de cœur bleu. Tempérance. Et à droite c'était une mouche. On peut jouer sacrifice si on trouve plein de cœurs rouges. Un espoir... Voilà quoi. Minime. Nick. Nick. Quel enfer cette salle. La lune. The moon. Help us. Please. Ah, oh, il y avait la chariote pour entrer là. Zwing, zwing, zwing. Bon, bah on va faire avec, hein. J'ai pas assez de sous pour le shop. Je pense pas que ce soit nécessaire. Super, je suis... Non mais super. 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 Heureusement que cette salle d'items va enfin nous permettre de sortir du cul. Voyez ? Nous sommes sortis du cul. Le piment. Et nous avons deux de luck. Il faut aussi de la vie pour ouvrir la porte. Oui, 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 non, mais vous en faites pas. Tout va rentrer dans l'ordre grâce à l'Angel Room qui va arriver. Tout va rentrer dans l'ordre. Lis-moi si tu vas gueuler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pouvoir changer de trinket si tu trouves mieux. Ah oui, 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 mais d'accord, mais là pour l'instant... Quand il se sent indispensable, c'est désagréable.
désagréable. À ton avis, ça c'est bien. Yes. Tout ça pour Léo. Vraiment, mon bracelet, il sert plus à rien. Je voudrais un autre activable, s'il vous plaît. Débit diminué. Oh, papa, 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 papa. J'essaie de donner des astuces et conseils, mais bon, si on veut pas, je me tais. Hein. Zwim, zwim, zwim. Zwim, zwim, zwim. Prendre le doctorat, hein. Déjà, on relance des bits. On va prendre le sac banane, parce que, voilà. On est de retour full vie, c'est bien. Pour combien de temps? Est-ce que ça marche, chariot, sur la porte des enfers, là? Ouin, ouin, ouin. Super. Super, c'est super. C'est super. Objectif Mother. Mother. Super. Ah, mais on a déjà la secret. C'est super. Super, c'est vraiment super. En fait, je vois rien de la vie là. Je comprends rien à ce qui se passe. Super. On essaye. Ça marche pas. C'est super.
trop chiant ça. J'en fous. Merci le sac banane. Super le sac. Oh, j'aime pas ça là. Putain! C'était l'ombre de Mother qui veut nous tuer. Dim 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 dim. Qu'est-ce que tu fous sur un dead game? Pour l'exclamation Iris. Le pape. Iris. J'ai besoin d'aide, Iris. J'ai besoin d'aide. Apporte-nous tes connaissances. Tu veux quoi? 1 million de dollars. Je ne sais pas, mais... De la vie, par exemple. Du skill? T'aurais pas du skill? Chance plus 1. J'ai 0, je suis à sec. Oh non. Putain.
le battleur. La mouche égarée. La mouche égarée, tant mieux pour elle, finalement. Elle est bien garée. En double fil, la mouche. Rendez-nous de la vie et nous vous dirons merci. Merci. Triggered. Mercy! Rez! Attention, la mère supérieure! Aïe, 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 aïe. Dans ta gueule, la mère supérieure. Ça y est, tout le monde se dit bonjour en soirée en partie d'échauffement sur Overwatch. Hein ? Presque full vie, là. Oh là là, Chanchon, dis donc. Et Chanchon, hein ? Ça te cringe, la politesse ? Chonchon. Jeul. Overwatch, un autre dead game, bien sûr. Angèle va tous nous sauver. Ouais. Jeul ? Comment ça, Jeul ? La gueule avec un J ? Ferme bien sa Jeul, la mère sup. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est un gros plan huc, tu vois. Va, viens chercher ma petite pièce, puis... Oh ! Donc, à la limite, si dans le shop, il y a un truc génial. La mère sup. Mère insup. Ok. J'ai mes bits. Void. Qu'est-ce qu'on a dit, Void? Void. On a dit, on se calme, hein. La fouetteuse. Oh, la fouette. C'est parti, la fouettasse. J'ai plus mes cœurs. J'ai plus mes bits. Tu meurs, merci. Tout de suite un super shop. En vrai, j'ai le PhD. Très bonne idée, le PV augmenté, comme ça je pourrais vraiment galérer. J'ai le PhD. Le trinket est inutile, ouais, mais je n'ai rien d'autre.
amusement en tout cas. Tu peux spam l'activable avec tous ces cœurs. Oui, mais... Voilà. Voilà. Gros spam en tout cas. Hein. Gros spam. Voilà, mais niquez-vous. Allez, on fait comme ça. Allez. C'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on veut. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche en fait. Voilà. Putain. Merci Shirokuro pour le 19e mois. Putain, mais il y a des fois... Il y a des fois quand ça veut pas. Hein. Épingle à cheveux. Heureusement qu'Angèle va nous aider. Yes. Big yes. Super, c'est super. Merci Angel. C'est de la merde. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Je savais pas que tu streamais sur Twitch. Eh bien, ça fait 3 ans maintenant. Un peu moins. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, en fait. Pas 3. Coucou Brita. Ouais, là t'arrives Brita, c'est rude. Look at house is rude. Oh là là. J'irai peut-être là-bas. Pas envie de se... Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette hitbox là? Putain. Mais regarde ce jeu qui se fout de ma gueule. Regarde-le là. Look at him. Pourquoi il y a des bombes? J'ai vu ton message, Brita, j'ai pas regardé... Enfin, j'ai cliqué dessus pour voir et j'ai vu que la vidéo durait longtemps. Du coup, après, j'ai pas regardé plus. Tiens, regarde, voilà. Attends. Curse Eye, c'est forcément une bonne idée. Comment ça se fait que je fais spawn des bombes? Ah, mais ça doit être mes flammes.
Il doit y avoir des flammes qui font ça. Bonne idée! Bonne idée! Je sais pas trop pourquoi, mais... Zwim, zwim, zwim. Quand il y a une pilule Blurg... Ah ouais, possiblement, effectivement. C'est pas comme si j'en avais eu 37. Mère supérieure. On est presque full vie. Fin du full vie. Je sais pas. Tirez-vous là, tirez-vous. Chance augmentée. Allez, la salle d'items, la salle d'items. Une mouche qui pète. On va donc prendre l'autre, qui est le bébé arlequin. Alors, le bébé arlequin, c'est un familier qui n'a rien à voir avec les bonbons arlequins. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du bébé arlequin. Vous pouvez regarder sur Google, vous instruire. Vous mettez ça genre sur Google Images par exemple, comme ça on voit bien. Et vous verrez du coup le bébé arlequin. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les bonbons. Hein, voilà. Je suis full vie. Pour combien de temps? C'est mort. Oh là 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 là. Tout va bien. Ok. Et nous ne sommes plus full vie. Putain. Je déteste ce jeu. Il est où le shop en plus là? C'est bon, vous avez appris du coup le bébé arlequin? Bah voilà, maintenant vous savez, hein, rien à voir avec les bonbons donc. C'est important d'être au courant, je pense. Ah bah écoute, ça je dis pas non, les ciseaux à bourron. Plus de troll bombes. Ah, quel shop! La run a une odeur faisantée.
Ça, c'est à cause de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a joué à Gartic Show. Vous savez, le truc où je dessine et vous devinez ce que je dessine. Eh bah, il a fait deviner. Le jeu m'a dit, fait deviner. Odeur des pieds. Voilà le mot. C'est odeur des pieds. Ma foi, écoutez, on continue. C'est rude, mais on avance. C'est rude, mais on avance. Fiche. Très bien. Entrons dans le cadavre de maman. Bonjour Romano Electro. Le cadavre. Le cadavre bien voilà. Bien moisi, comme voilà. Cadavre de type moisi. On a des bombes, faudrait peut-être qu'on trouve la secret. Secret Rockwell. J'y crois. Super. Merci petit Lucru. Non, petit Lustucru. Attends, mais tout à l'heure, on avait Petit Lucru. Ou j'ai moi... Et c'est moi qui sais pas lire. Mais là, il y a Petit Lustucru qui a fait un raid. Diffuse SimCity. Comment devenir la reine de la ville en une soirée. En fait, après 2 heures. Devenir SDF. C'était moi aussi. Pourquoi j'ai dit Lucru, alors? Pourquoi je suis con? Excuse-moi... Pas très malin. Et SimCity, du coup, c'était SimCity le premier? Genre celui en 2D, là? Ou un récent. Je sais même pas où ça en est, SimCity, en fait. Il y a très longtemps, je regardais mon frère jouer à SimCity 2000.
Celui de 2013. Vous savez, ce genre de période où, où pour être à la mode, il fallait être avoir 2000 à la fin du nom. Tu sais, parce que c'était l'an 2000, tu comprends. Et bah moi, j'ai vu SimCity 2000. Je venais un bus 2000, sport 2000. C'est plutôt mort maintenant, SimCity. Bah, au niveau des City Builder, y'a pas grand chose, hein. Y'avait pas Cities. Je sais pas, Cities XL ou un truc comme ça, là. City Skyline, ouais, ça va être ça. Alors. Débit augmenté, ça va, dis donc. Il fallait la chercher, cette pilule, hein. Les troll bombes me font tout le temps peur alors que j'ai les ciseaux ronds. Pouette, 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 pouette. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que on va rester là. C'est clairement mort maintenant. Ça occupe avant d'aller manger ou quand t'arrives pas à dormir. Mais j'aimais bien, moi, les jeux comme ça. Mais... Enfin, j'aimais bien... Je sais pas pourquoi j'aimais bien regarder mon frère y jouer, parce que... C'est pas très passionnant, peut-être, à regarder comme ça. J'en sais rien. Putain, j'arrive à prendre des dégâts. Hein. Enfin, si, après, tu peux raconter des conneries, en fait. Donc si, ça peut être marrant. Enfin, mon frère, il devait pas raconter grand-chose. Vraiment, à un stream où on parle de plein de choses, quoi. Ça fait un peu jeu où tu parles de plein de trucs. Un peu comme Isaac, finalement. Je pense qu'il y a moins souvent de moments où le streamer ou la streameuse râle, genre « Mais putain, c'est vraiment un jeu de merde !» Peut-être quand les habitants font grève, là. Ou qu'ils brûlent des mairies. En mode 49.3 sur SimCity. Quand les poubelles sont pas ramassées, quoi. Mmh. Pièce de contrefaçon, oui. Poche de sang. Et 7 de luck, hein. Ne pas regarder l'écran, c'est un concept. Trop hâte de l'extension 49.3. Cette run va pas jusqu'au bout, je vais être très déçu. Il y a un cœur blanc. Thank you.
Ok, je suis un peu saoulé, alors on y va. Ah, attendez. Finalement. Oh, une poche de sang. Soigne de 4 cœurs. Comment est ton roman photo, Baka? Tu veux que je te fasse des screens? Puis tu rajoutes des bulles? Genre... Ou alors... Comme ça, là. Baka. Excusez-moi. Ah, il y a plein de cœurs. L'odeur de pied là. Oh non! J'ai pris un dégât. Oh, j'ai pris un dégât. Débit augmenté. Tears up. Sacré débit. J'ai trop pris de pilules pour rétrécir. Je suis devenu petit. Tout est devenu petit. Enfin, certaines choses en moi sont déjà petites. Ah bonjour Lindo. PV augmenté. Ça fait réfléchir. On a tous en soi des petites choses. C'est quand même chill le cadavre, finalement. Non ? Belle Angel Room. Ah.
Ah. Brave petit. Un bon gars que voilà, il ira loin. Superbe robe. Ça y est, le chat, ça y est. Il est passé 20h. Vous savez pas vous tenir, vous, hein. Cadavre 2. Le chat se transforme en citrouille. En coloquinte. Strength. Ah bonjour Osgrim. Si vous êtes sur le point de me dire, parce que je le sens d'ici, que la bouffe est prête, sachez qu'on est au dernier étage de cette run. Parce que ça... Ça c'est l'appel de la bouffe ça. Tout à fait. J'avoue que j'ai faim. Bah je cherche juste le cadavre de ma mère, je la bute et puis voilà. Nous sommes sur un gratin de courgettes et les restes d'hier. Oh, c'est pas très sexy dit comme ça, alors que ça aurait pu être... On est sur un gratin de courgettes avec des pâtes et les restes d'un poulet rôti. Oui, bon. Oh, somnolence. Qu'est-ce que je fais? J'emmène somnolence ou j'emmène battleur pour avoir les larmes auto-guidées? Somnolence, c'est fort, hein. En plus, on va plutôt jouer avec les flammes. Vas-y, j'emmène la somnolence. Lock up. Ça ralentit, somnolence. Ça va ralentir le boss. Ça me ralentit un petit peu aussi, mais... Au moins, on est tranquille. Tu vois, les boulettes sont toutes lentes.
Ouais, somnolence, c'est quand même très bien. Ouais, je confirme. Somnolence. Easy Monique. Ben voilà. Ça veut dire qu'on a débloqué Jacob et Esso. What are you drawing? Isaac, let me see it. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no, Mom, I'm just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! No, no, please! You are just like your father. I can't even look at you. You are just like him. Quel plaisir ces cinématiques. Alors que voici le Satan qui s'apprête à vous mettre un doigt dans le huc. M2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Révélation ! Jacob et Esso. Révélation, c'est un très bon item. Et la légende d'Isaac, le défi double vision, une étrange porte pour aller à The Beast. Et voilà ! Et nous sommes à 141 sur 637. Que disent les saintes écritures ? Les saintes écritures nous disent que la prochaine fois, on fait le challenge 39 pour avoir Spirit Sword. Bonjour ceux qui arrivent pile à ce moment-là. La prochaine fois, ouais, challenge 39, donc c'est encore un objectif Mother. Hein. Mais on débloquera l'épée Spirit, qui est très bonne. Enfin, j'aime bien en tout cas. Et ensuite, on repart sur des objectifs plus classiques, puisqu'il va falloir faire Satan 5 fois, sachant qu'on a dû en faire déjà 2, je pense. On a fait Isaac et Azazel. Donc il manque encore Eden, Lilith et Beta. Et ensuite, The Beast avec Lilith, avec ses sections. Après, il y a plein de choses. Ou alors... Ah, il est là, Jacob et Esso. Hein. Il est loin, il est loin. Il est loin, mais il fait envie, parce que... Birthright, Rock Bottom. Ça fait envie, tout ça. Peut-être qu'on avancera cette ligne, juste pour avoir le Birthright. Je ne sais pas. Bref, YouTube. Des bisous, c'est la fin de cette run. À bientôt pour de nouvelles aventures.